Ok, pense à quelque chose qui pourrait nous servir. Nous servir pour quoi? Notre enquête. Attends, c'est quoi notre enquête? D'un côté, on a Boba Fett qui veut nous tuer, puis de l'autre, on a Deep Throat qui veut nous sauver. Ah, ok. Non, attends, je comprends pas Deep Throat. Celle qui nous a appelé à 7 h du matin pour nous dire de sortir de l'appart avant la bombe. Ah, ok, Deep Throat, comme dans Les Hommes du Président. Exact. Faut qu'on la trouve, c'est ça notre enquête. Mais on sait qu'elle a appelé du bureau du comté du ministre de la Justice. Probablement quelqu'un dans son entourage. C'est vraiment comme dans Les Hommes du Président. Moi, je suis Robert Redford. Toi, t'es Dustin Hoffman. Ta gueule, c'est moi Robert, pis c'est toi Dustin. Mais pourquoi c'est moi Dustin? C'est clairement moi le plus sexy des deux, pis c'est moi le plus blond. Mais t'es zéro blond, toi? Je suis plus blond que toi. Chris, t'as du poil dans le dos. Non. Moi, je suis grand. Toi, t'es trapu. Donc, c'est toi Dustin Hoffman. Dustin Rondeau. Dustin Bouchard. T'as gâché 2 ans de ma vie, mais là, c'est fini. Si tu veux gâcher le reste de la tienne, là, regarde-moi bien que je sais faire. C'est ça. Retourne à ta petite vie plate que t'as eue. Retourne à ton cégep, là. Retourne à tes étudiantes que t'as juste envie de fourrer, mais que tu fourras jamais parce que tu reviens toujours à Léa avec son hostie de forme sur le bord de la gueule, que c'est dégueulasse, puis que t'as toujours trouvé ça dégueulasse, mais que là, soudainement, tu trouves plus ça dégueulasse parce que t'es désespéré. Hey, fais attention à ce que tu dis. Tu l'aimes pas, Léa. Tu l'as jamais aimé. Moi, ce que je te propose, c'est une expérience de scénarisation sans précédent. Une expérience susceptible de révolutionner l'histoire mondiale de la création. Maintenant, si toi t'aimes mieux retourner à tes hosties de courtes plates sur Orson Welles que tout le monde s'en calisse, be my guest. Donc, tu me demandes de choisir entre Orson Welles pis toi, c'est ça? Oui. Ça t'arrive-tu souvent de fréquenter des saunas gays? De plus en plus. C'est-tu provoqué par quelque chose? Ils disent que c'est un débalancement. Un débalancement de quoi? Je suis moi. Ça me peine de même. Des fois, j'ai juste envie de me péter la tête sur un mur, sinon j'ai comme l'impression que je vais faire une crise cardiaque. Mais ça, c'est la panique, mon gars. C'est un peu ça le principe d'une crise de panique, oui. T'en as-tu parlé à quelqu'un? Je prends des pilules depuis 3 semaines. Comme tu peux voir, les effets sont miraculeux. Des antidépresseurs, genre? Et des sonnets gays, ça peut-tu partir des effets secondaires? Seulement si tu mélanges les médicaments avec de l'alcool. Puis tu bois-tu souvent? De temps en temps. Puis je te dirais que j'ai autant de fun que quand je suis sobre. Calisse. Quoi? Ben là, je viens comme d'apprendre que mon chum est devenu dépressif puis curieux. Comme une petite chatte de rattrapage à faire. Puis toi? Qu'est-ce que tu dis de bien? Ben, je commence à penser sérieusement à devenir un chimère. Je te remercie. Pour être un piqueurieux dépressif? Non, de m'avoir appelé. Ça veut comme dire que je suis encore un peu important pour toi, sinon tu m'aurais pas appelé. Ouais. C'est vrai. Si jamais il y a d'autres choses, là, tu peux m'appeler sans problème, je vais toujours être là pour t'aider. Ben. Merci Rémi. Puis là, je peux-tu compter sur ta discrétion? Pour ne montrer ça à personne, s'il te plaît. Pas de trouble. Je pense que j'ai senti ta langue, là. C'est ça. J'ai profité de la situation pour te frencher. Je te dis, j'ai clairement senti une langue. Je suis désolé de froisser ta virilité, mais j'ai pas ma carte d'ambulance Saint-Jean. J'ai fait comme j'ai vu dans Jaws 2, là. J'ai soufflé dans ta bouche. Jaws 2? Mais oui, Jaws 2. Le Chief Brody, là, il réanime son fils qui vient de sauver de l'attaque du requin. J'ai suivi ça comme modèle. Hey, merci Roy Schneider. Tu pourras dire merci Patrick aussi. Merci Patrick. Non, je te dis, notre finale était vraisemblable, là, je sais maintenant que je l'ai vécu. Dans une piscine, calice, là, reviens-en. J'appelle Louise puis je lui confirme qu'on embarque.
No fucking way! C'est quoi? T'as-tu encore de l'eau dans les oreilles? Tabarnak! Qu'est-ce que tu comprends pas dans je ne veux plus rien savoir? J'ai vécu une épiphanie, là. J'ai besoin de toi, Patrick, ok?